Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, sur cette vue de Esperanza. Regardez, là-bas, c'est la grande ville de Esperanza, c'est juste incroyable. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode déjà de notre aventure sur Far Cry 6. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué, c'est totalement faux, hein, je joue absolument tous les jours. Les amis, aujourd'hui, on va accéder au bunker souterrain, c'est toujours d'actualité, d'ailleurs c'est par là-bas, c'est à 700 mètres. Je me suis fait un TP rapide à cette planque que on ne connaît pas encore, la planque Sungo. Attendez. Oui, non, on la connaît pas, on n'était encore jamais là. Hein. J'ai eu un doute pendant un moment, la guerrière veut me parler d'ailleurs, donc tant qu'on y est. Quoi de neuf, Danny, un largage est en route. Arrive là-bas avant l'armée et les ressources seront à nous. Eh, merci. Oui, alors comme d'habitude, j'ai fait plein d'erreurs hein, durant les derniers épisodes. Voilà, là, il y a une cible militaire, c'est ce qu'elle vient de me donner, mais il y en a partout. Là, 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 là. Mais c'est pas bien grave. Aussi, le neveu d'Anton Castillo. Donc, José, je pensais qu'il était mort, mais en ayant regardé de nouveau ma vidéo, je me rends compte qu'il s'est juste pris une balle et il n'est pas mort. Et ça, c'est dommage. Parce que ça veut dire que... Ah, c'est bien. Eh, mais attendez, mais Clara, elle fait de la propagande aussi, regardez. Et oui, bref, on a dit on parlerait pas politique. Utiliser l'établi, récupérer des pièces, hop. Allez, on va prendre les amis, regardez notre petit hélicoptère plutôt sympa là. Et on est parti. Hey, hey, tais-toi, au bunker, c'est parti. Hop là. Ah, j'ai fait le malin, mais j'ai pas le droit de voler là. Ah, oh, zone d'exclusion mis. Ah, je me suis fait avoir. J'ai pas le droit de voler. Merde. Oh putain, je me suis fait peur. Attendez, c'est pas grave. Il est où le... Qui que vous soyez, vous entrez illégalement dans cet espace aérien. Pardon. Faites demi-tour ou nous ouvrirons le feu. Oh ça va, ils sont gentils, c'est qu'ils préviennent. Et au moins... Ah, là au moins, on voit où c'est que... Mais oui, on n'est jamais allé là-haut et moi je voulais y aller en hélicoptère, mais je suis complètement con, moi. Mais je suis vraiment débile. Attendez, on va juste se faire la... Putain de merde. La cible aérienne. Allez, là-haut. Allez. On va aller se faire foutre. Retour au point de départ. Hop. Voilà, ni vu ni connu. Ça, c'est pour moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Largage confirmé à la quai de Hardina. Envoyez une équipe la récupérer. Compris. On se met en route. Un largage de ravitaillement. On a 3 minutes pour aller là-bas. Mais jamais de la vie, on va y arriver, gros. Je peux même pas y aller en volant, gros. Et merde. Voilà. Bon, bah, en 3 minutes, c'est mort. Hein. Ça sert à rien. Hein. Wingsuit. Ça, c'est stylé. Wouhou. Oh, c'est trop bien. C'est trop fun. Oh, mais ça sert à rien. Eh, c'est bon là, annule. Comment on annule? Ça sert à rien. J'y arriverai pas en fait. Je ne peux pas concrètement. Bon, bah très bien. On va aller se faire foutre. Mais on a une bonne musique. On a une bonne musique et ça fait plaisir. Mais attendez, je viens de me bloquer. Je viens de me bloquer dans un terrain militaire. Non, mais c'est une blague. C'est le pire début de vidéo. C'est bon. Par ici. Voilà. Bon les amis, nous on va à notre mission qui est juste ici. Hop, il faut entrer dans le bunker. Eh bien, nous serons arrivés dans 2 minutes hein, à la fin du compteur, c'est parfait. Oh putain. Mais quelle vie de merde. Salut les copains. Vous êtes pas des copains. Quelle vie de merde. Bon bah comme ça, ça m'apprendra. Et j'ai bien fait de ne pas avoir fait les autres missions de ravitaillement comme ça. Hola. Hola. Ouh. Oh, attendez, mais c'est ultra stylé. Ah, mais c'est ici, non? Ah non, c'est pas là. Mais attendez, c'est ultra stylé. C'est ultra stylé. Oh. Donc t'es en train de me dire que c'est ultra protégé, mais qu'on peut rentrer par là. Et la musique, les gars, on se croirait à la fête foraine, hein. Oh, je vous jure, la musique, on se croirait à la fête foraine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. J'adore. Ouh, un agent corrompu. On va aller te soudoyer.
tu le veux bien. Salut frérot. Psst, viens me voir. Par ici. Qu'est-ce que t'as pour moi? Ça peut être trahir son pays. Ouais. Tu trouveras les ressources là-bas. Merci. Merci. Ok, des nouvelles caches. Super. Il y en a juste à côté en plus. Très bien. Mais par contre, moi, il faut que je rentre. Vous croyez qu'elle va me laisser rentrer ou pas, du coup? Voilà. Échec de l'interception. Eh ben, c'est super. C'est tout ce que j'attendais. Putain, ça fait 3 minutes que j'attends comme un con. Allez, les amis. À ciel ouvert. On va quand même rentrer dans ce bunker. Alors, plein de choses. Hein. Là, je vois un animal qui est mort. Là, la jante qu'on a corrompue. Je pense pas qu'elle va nous laisser rentrer. Hein. Je ne pense pas qu'elle va nous laisser rentrer comme ça. Y a personne là-haut. Donc, malgré les valeurs que j'ai, je vais devoir faire quelque chose de pas cool. Je m'en excuse à l'avance. Je la remercie en tout cas. Et puis d'ailleurs, je vais récupérer mes pesos par la même occasion. Voilà. C'est pour ton bien que je fais ça. Hein. Qu'on soit évidemment bien d'accord. Hop, on récupère tout ça bien sûr. On a une petite radio par là. Très bien. Allez, ni vu ni connu. On va aller dans ce putain de bunker. On ne sait toujours pas pourquoi on va dans ce bunker. Ah mais si, c'est écrit. Non, excusez-moi. Pour prendre le dessus, neutralise les canons aériens. Voilà, d'accord, bon. Bref. On va aller au bunker souterrain. Voilà, tout ce que j'ai envie de te dire. Putain, je suis quand même mort comme un con hein, dans le dernier épisode. Hein. Post-radar des FND. D'accord. Ah, j'allais dire, il n'y a personne, mais... Mais il y a quelqu'un. Oula. Oula. Et il a pas l'air commode, lui. Il a pas l'air commode. J'aime bien, c'est ultra sécurisé, mais en fait, tu peux passer par là. C'est excellent. Alors... Oh putain. Objectif terminé. Je dois trouver la salle du serveur principal. Ok. Salut, beau gosse. Alors, ils sont deux. Ils sont deux. Et je dois aller en bas. Hein. C'est de toute évidence, hein. Un bunker, c'est en bas. Hein. Mais je vais quand même monter. Parce que si déjà on est là, moi je visite les lieux. N'oubliez pas le pouce bleu d'ailleurs, les amis, évidemment, ce début d'épisode. Si, si le let's play vous plaît toujours autant. Ah, j'ai vu vos derniers retours, mais j'ai pas mal d'avance et j'ai vu que... Bah, que vous êtes content, mais que vous êtes aussi triste que les épisodes passent vite. Et bah moi ça me fait plaisir. Voilà, c'est un des meilleurs commentaires, je vais pas te mentir. Voilà. Là on a une belle vue globale sur absolument rien. On peut faire un peu de tyrolienne si on veut. Voilà. Et on peut pas monter plus haut. C'était inutile. Bon là si je fais de la tyrolienne, bah c'est débile. Hein. C'est complètement débile. Moi il faut que j'aille en bas. Range ton AK toi, voilà. Allez, perdons pas plus de temps les copains. Parce que tout va se passer en dessous de toute façon. Oh lui, je pourrais lui sauter dessus. Alors attendez. Oh ça, oh regardez ça. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Oh, j'ai le sub. Bon, je me suis pas fait cramer. Ah si, je me suis fait cramer. Ok. Ah, je me suis fait cramer comme une merde. J'ai trop le seum. Bon, ça m'a pas l'air très dramatique. Ah, j'ai trop le seum. Je pensais que je l'avais... Moi, je voulais l'assassiner par-dessus. Ok. Ok. Dans la merde, hein.
c'est bon. Elle est où l'alarme? Ok. J'ai peur. Je parle pas trop. On va passer par là pour voir. Oh là là, frérot, ce labyrinthe. Ouh, ok, c'est un autre accès. J'aurais pu rentrer par là, je pense. Ouais, non, non, mais remonte pas du coup. Très bien. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ok. Allez. En avant toutes. Oh, il y a une caméra là. Neutralisons cette caméra. Il y a quelque chose là-bas. Mais non. Ah, ça recommence. J'ai dû rêver. Ouais, t'as rêvé. Par contre, ils ont l'air nombreux, hein. L'alarme. On désactive. Oubliez les renforts, salopard. Voilà. Putain, les gars, ça me fait tellement flipper. Pirater l'ordinateur principal, ok. Oh les gars, je vais le prendre par derrière. Voilà l'ordi. On va voir comment je me débrouille en piratage. Ouais. Ah. Ah. Ça c'est relou. Elle est en alerte. Bon après, je crois qu'elle est seule. Hop. Attento. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Pirate. On a vraiment une connexion merde ici. Bon, de toute façon, il n'y aura pas de renfort. Il n'y aura pas de renfort. La cage d'FND. SBS, fusil à pompe, incroyable. Juste pour te rappeler que j'ai besoin de ton micro et de ton ampli pour un ou deux jours. Même si c'est sans doute juste des coyotes, ces bruits que j'entends après le coucher de soleil sont... Je vais juste l'enregistrer pour en avoir le cœur net. Elena m'a parié une semaine de salaire que c'est les chiens démoniaques. Ah ouais, donc la meuf est vraiment parano. C'est pour ça que... Quand je faisais du bruit... Ok, j'ai récupéré une carte de service. Putain, il y a une alarme juste là, quoi. Vite. Pas besoin de s'éteindre plus ici. J'ai failli tout faire cramer, les gars. J'aurais pu tout faire cramer. Oh là là, c'est un labyrinthe. Allez, gros. Voilà. Voilà. On y va. Échappez-vous de la zone. Non, attends. J'ai pas fini, moi. J'ai pas fini. Il y a trop de choses à faire. Je peux pas partir comme ça. Je peux pas partir comme ça, les amis. Et vous serez tous d'accord avec moi. Alors, on va récupérer tout ce qu'on peut et on se barre, mais... Ok. Oh là là, ça... Je suis pas bien. Ah, on est là. Ok. Ok. Oh oui. Ah bah ça va. Ah bah c'est bon. Attendez. Il y a un truc de l'autre côté.
là. Oh, c'est un épisode où je vais pas beaucoup parler, les amis. Hein. Je pense que vous l'aurez compris. Très bien. Ok. Bah, on va partir. J'ai l'impression que ça va partir en couille, là. Pourquoi j'ai cette impression? Eh ben là, voilà, j'ai une clé. Hop. Ouh, il y a un piège, là. Il y a un piège. Mais comment on pourrait faire pour le désactiver? Sans le faire péter. Parce que je vais me faire cramer là. Hein. Si je cours et que je saute, je vais pas y arriver. Bon bah je vais faire péter, je pense, j'ai pas le choix. Ah putain. Je sais pas. Hein. Putain. J'ai envie de tenter un truc, mais si je meurs les gars, je suis désolé. Hein. Si je cours et que je saute en vrai. Ça passe, non? Et ben voilà! Y'a quoi maintenant? C'est qui le boss? Ah ouais, d'accord. En fait, c'était juste pour. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh, y'a un piège là. Maintenant, je sais comment faire. Yo! Oh putain. Oh j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Mais c'est pas grave. Oh, on s'est bien fait flasher comme il fallait. Maintenant on peut partir. Mais j'avais envie quand même un peu de foutre mon bordel aujourd'hui là tout de suite. Bon bah malheureusement je pense que ce ne sera pas possible. Allez on s'arrache. Eh on va prendre le camion, ça vous va? Il est où? Il est là. Ah bah oui il est en dessous c'est vrai. Hop. Je suis déçu parce que ça s'est super bien passé, mais là, le mec, là, ici, je voulais trop lui sauter dessus. Je peux pas prendre le camion? Oh là là. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Bon, allez, on se casse. J'espère que... Ah, voilà. J'espère que vous avez kiffé... Hé, hey, j'ai détruit le radar. Ma famille a de la chance de t'avoir, Danny. Quand tu planteras Rossé... Retourne bien le couteau dans la plaie de ma part. Bah alors avec grand plaisir mon pote, hein, t'inquiète même pas que c'est ce qu'on va faire. J'espère ouais que vous avez en tout cas kiffé cette séquence. Moi j'ai plutôt kiffé. Hé la vedette, retrouve-moi aux grottes de Soussouro. T'es dans une grotte? T'as énervé tout le camp ou quoi? Non. Pas encore. Ramène-toi, ok? Il y a une urgence médicale. Enfin presque. Médicale ou mécanique quoi. Ouh là là, une urgence médicale. Ah oh, ça c'est chiant. Moi je vais juste ouvrir la map quoi. Une urgence médicale c'est ici, chez Philly. Ok, bah on va y aller parce que là, qui dit urgence médicale dit qu'il faut y aller rapidement, bien évidemment. Alors on y va de ce pas les amis. Je me laisse bercer hein, aujourd'hui hein, dans cet épisode, je me laisse bercer par l'aventure. J'ai bien entendu un truc cette fois. Mais bien sûr que t'as entendu quelque chose, c'est moi qui viens de passer avec la voiture. Mais cette intelligence artificielle. Attends, je vais leur montrer parce que. Je vais leur expliquer. Ingénieur repéré. Je vais leur expliquer, ils sont tellement cons. Dégage de là, allez. Mais putain, si j'ai envie de. Ah, je l'avais pas vu. Un officier qui commande. Non, mais faut leur expliquer un peu comment ça fonctionne, hein, la vie. Je crois qu'ils ont pas compris comment la vie fonctionnait. Ok. Moi je vais leur expliquer moi. Moi je vais leur expliquer, on va pas parler chinois. Hein. C'est quoi ce labyrinthe là? Ouvre l'œil, Danny. T'inquiète. Bon frérot. Ça c'est pour moi. Petite salope là. Hop. Voilà. Juste ici. Voilà. Oh merde. Je voulais juste récupérer ça moi à la base. Mais il y a des voitures qui passent. T'es con ou t'es con? Mais ils sont trop cons.
Oh, viens voir. Toi, je te prépare un truc sympa, toi. Toi, je te prépare un truc sympa. Ah bah non, il va avoir le corps. J'adore ce jeu. Allez, trêve de plaisanterie, les amis. On va aller parler à Philly. Philly Rovelli. Attends, ça, c'est aussi pour moi. Hop, et puis t'entendais, on récupère. Voilà. Et là aussi. Que de l'essence. Oh merde, le camion. Je suis mort. Voilà, on joue à cache-cache. ma voiture, elle est là. Enfin, ma voiture. C'est pas vraiment ma voiture. Allez, on y va. Il m'a fait trop peur, le camion. Je l'ai vu arriver, j'ai fait... Oh putain, demi-tour. Demi-tour gauche. Bon. Ça, c'est plutôt sympa. Merde. Ces guerriers héros ont besoin d'aide. Ouais, j'en ai rien à foutre. On commence à connaître. On commence à connaître. Et c'est bien parce que du coup c'est une nouvelle partie de la map là qu'on est en train de découvrir, Aguas Lindas, juste ici. Et donc il y a plein de canons anti-aériens. Il y en a deux en tout cas, je pensais qu'il y en avait plus. Mais il y en a deux qu'on connaît, mais je pense qu'il y en a plus. Et c'est bien, on pourra se les faire et on aura de nouveau de l'uranium appauvri. Attendez. Ça ici c'est pour moi. Voilà. Ça c'est pour... Merci, Aguas. Bibi. Merci. Attention, je recule. Hop là, vous aviez été prévenu. Allez, on est bientôt arrivé. 400 mètres. On se balade tranquillement. C'est le petit plaisir, le petit côté plaisir du jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui ? Bah oui, mais me klaxonne pas dessus. Oh les poules ! Hop là. Plus de poules. Oh, c'est super joli. On se croirait en Haute-Savoie. Mais attendez. Mais je peux pas y aller en fait. Waouh, il y a une grotte. Mais c'est trop stylé. Waouh, attendez, mais c'est trop stylé. Grotte de Susurro. Ah bah oui, c'est là qu'il m'a donné rendez-vous. Oh, c'est magnifique. Une urgence médicale ici. Comment ça? Ouh là là là. Dis-moi tout. Oh là 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 là. Oh. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là 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 là. Attends, hey, Philly, tu m'excuseras. Hein. Je visite. Je visite parce que je suis quand même avant tout un touriste. Hein. Ok, t'es là-haut. Donc je visite un peu. J'arrive, je suis là. Hein. Tu me fais faire du parcours en plus. T'as pas honte. T'as pas honte. Dis-moi. C'est un grand jour. Je te présente mon nouveau bébé, Diesel Daisy. Donne-lui de l'essence, elle le transforme en diesel. Ajoute-y de la mousse, elle te donne du napalm. Du napalm, bébé. José, on va l'atomiser. Le mettre en orbite. Ouvre ses valves pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Eh, vas-y en douceur. Elle est un peu timide. Il est terrible. Je dois allumer le vaporisateur. Bah vas-y. Ouais ouais ouais, c'est bon ça, ça me plaît. La pression monte. Occupe-toi des autres valves. Je suis dessus. Les autres valves? Elles sont où les autres valves? Eh ben je te suis. Là, très bien. Vas-y la vedette, continue. Ouais mais attends, mais ça va nous... Ça va nous exploser à la gueule ton truc là. Encore une. Tu devrais voir un psy, Fini. Complètement. Attendez, hein, je... J'essaie de... En même temps, je visite. Ah bah voilà. Parfait. Ça va péter. On y arrive. C'est parti. Non. On a un problème. Un énorme problème. Sans blague. Parce que franchement, t'y croyais toi, ton truc?
C'était évident qu'il y aurait un problème. C'est de la merde, ça pue du cul. Eh ! Bon alors ? Binga ! Daisy a pété une durite. On va avoir besoin de pièces détachées pour la réparer. D'abord, un circuit imprimé spécial. On n'en trouve que sur les plateformes pétrolières. Un jeu d'enfant pour toi. Mais il nous faut autre chose. Tu le trouveras dans l'élevage de crocos où j'allais. Je t'envoie une photo pour que tu vois de quoi je parle. C'est la pièce de résistance. Ok, fais-nous découvrir ces nouveaux matériaux. À nous de jouer. Putain, il est super stylé ce coup en empêche. Hein. Il est super stylé. Allez, on y va. Bon, allez, c'est bon, ouais, fais pas la chouchotte. On y va du coup. Un circuit imprimé et un peu de machine de Philly. Trouver un peu de machine de Philly. Bon, et alors c'est assez amusant parce que circuit imprimé, on en a besoin pour faire je ne sais plus quoi sur les armes, souvenez-vous. Mais du coup, ce serait plutôt sympa. Donc là, c'est la magie de Philly. Par contre, là, circuit imprimé. Ah oui, plateforme pétrolière. Ah oui, non, mais là on est parti pour découvrir carrément une nouvelle partie de la map. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Bah, du coup, on va s'occuper de ce site aérien sur le chemin, d'accord ? On va faire ça. Et ensuite, on va terminer cet épisode. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper de cette mission. Il me faudra un véhicule. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas de route là. Ah si, il y a une route en bas. Oh, je suis trop... C'est insupportable. Ah bah oui, du coup... Du coup, lui, là, il a peur. Tu m'étonnes. Bon, bref, c'est pas de ma faute. J'en ai marre de me tromper de touche. En fait, je voulais lancer le wingsuit, moi. Et voilà. J'ai vraiment pas de chance. Allez, ma voiture. J'ai besoin d'un véhicule. Et c'est pareil, dans un précédent épisode, j'avais appelé ma voiture et je la trouvais pas, mais elle était juste devant moi. Vas-y, je suis trop con. Merci, tiens-toi droit, frérot. Elle sort tout juste du garage. Essaie de la garder en un seul morceau, ok? Ouais, bah c'est ma voiture, donc je fais ce que je veux. Yo. Attends, là je vais avoir vraiment des problèmes de droit d'auteur là. Allez, c'est parti. Ah putain, mais c'était là où on était. Oh là, j'aurais dû. Mais oh là là, je suis vraiment une queue. Hein. Je suis vraiment une queue. Si j'avais su. C'était juste un animal. Oh, je l'avais pas vu lui. Aucun médecin ne sauvera. Comment je fais pour rentrer? Bon, attends. Alors, ça, c'est chiant. Hein. Ça va être très chiant. Allez. Voilà. Bon. Ah, j'ai le seum. Si j'avais su, j'aurais fait ça tout de suite. Allez, on y va. Oh, c'est trop mignon, regardez. Les animaux sont nos amis. Ah, mais non, mais c'est absolument pas là. Ah, si. Ah si si, toute cette zone on n'a pas le droit d'être là, d'accord. C'est gigantesque hein. Eh, c'est gigantesque hein. What the fuck. Ah ouais, c'est gigantesque. Tanière des chiens démoniaques. C'était ce qu'ils avaient dit. Attends, là il y a l'uranium aussi. C'était ce qu'ils avaient dit là dans les notes. Ah ouais, il y a des chiens démoniaques. Non mais ça me fait trop peur là ce jeu en fait. Ça commence à devenir un jeu d'horreur. J'aime pas ça, moi. Moi, je vais pas aller voir les chiens démoniaques. Hein. Ça, c'est bon. Voilà. On pète ça et on se barre direct. Hein. Ah, il va aller aux toilettes. Pardon. Foutez-moi la paix. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ok. Ah! 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 Oh non, mais c'est trop. Putain, mais c'est quoi ça? Et merde.
C'est pas vrai. Donne-moi ta viande. C'est pas vrai. Heureusement que je me suis pas fait cramer. Hein. Heureusement, je ne me suis pas fait cramer. Bon. C'est pas tout ça. Mais c'est qu'on a du taf. Attends, l'uranium, il est où, là? Bon, on va le trouver. Perdons pas plus de temps, les amis. Allez. One knife. D'après les informations glanées par nos sources, les guérillos locaux ont réussi à mener à bien une surveillance de nos opérations pour contrecarrer cette menace terroriste. Nanana. On avait déjà lu ça en plus. Uranium. Quoi ? Ça recommence. Qui est là ? Voilà. Ça, c'est fait. Mais je suis dans la merde. Uranium. 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 Là. T'inquiète. T'inquiète. Bon, j'ai tout récupéré ce que je voulais. Oh, ils sont vénères là. Ils sont vénères de ouf. Je suis pas là. Bon, par où il faudrait que je passe moi pour m'en sortir? Cible militaire. Cache des FND. Attendez, on va passer par là et on va aller au checkpoint. Et puis voilà. Bon, les amis, eh ben, quelle histoire! Quelle histoire! J'espère que vous avez kiffé cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain. N'oubliez pas, évidemment, le pouce. Oh, c'est pas vrai. Oh, bordel! Allez! Oh, c'est pas vrai! Foutez-moi la paix une fois pour toutes! Punaise! Bon, j'aurai de quoi revendre. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve pour le prochain épisode. Voilà, je ne fais que de le répéter. Je suis un petit peu tendu, hein, je vais pas vous mentir. Ça, c'est pour moi. Voilà. Merci. Et ça, c'est pour moi. Voilà. Et ici, c'est chez nous. Hein. Ici, c'est chez nous, très clairement. Ça va, ça c'est gentil. Bon allez, nous on s'arrache. On va se mettre à l'extérieur en sécurité. Parce que sinon on va jamais y arriver. C'est bon. Ah, c'est sécurisé à moitié quand même leur truc. Hein. C'est sécurisé à moitié leur truc. Allez, je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. Et à demain, ciao tout le monde.